Alors voilà, je pense que tout le monde se pose la question, comment elle fait ses bricolages et tout ça, avec quel objet donc. Voilà avec quoi je fais. Donc ça c'est pour ranger mes dessins, ça c'est ma boîte à marqueurs. Donc c'est quand même assez lourd. Ça c'est pour ranger quelques dessins à l'intérieur, mais il y a quelques trucs que je peux pas vous montrer parce que oh purée, c'est vraiment pas facile à remettre, que j'ai acheté ce matin. Ça c'était tout à l'heure. Donc j'ai déjà montré un dessin, mais je pense que c'est pour toi, Louane. Donc il n'est pas en couleur, mais bon. Hop. Et ça c'est la guéra. Donc il me reste plus qu'à marquer la guéra. Hop, juste là. Mettre l'année 2017, signé et tout. Donc voilà. Hop. Puis voilà, donc j'ai aussi d'autres marqueurs, mais ceux-là c'est pour les pros. Donc il me semble que je les ai où? Attends. Je les ai pas, mais j'en ai encore un autre. Bon, celui-là, il n'est pas déballé et tout. Voilà, c'est quoi. Donc, c'est extrêmement fin. Et donc, celui-là, ça coûte vraiment, mais vraiment cher. Donc, c'est vraiment pour les professionnels. Moi qui arrive à me dessiner comme une pro. Et voilà, donc, il faut le secouer, ouvrir, appuyer et faire comme ça avec l'essai, et après encore appuyer une fois et dessiner pour du bon. Bon, j'ai repris celui-là parce que le noir, l'autre, il a un problème, le bout commence à sécher, donc vers le bas, mais quand c'est la pointe, ça va. Donc j'ai du noir, je sais pas où est-ce qu'ils sont les autres, je pense qu'ils sont dans mon sac. Mon sac, parce que voilà, je vais faire une autre vidéo et tu vas comprendre pourquoi, j'aime bien colorier et tout. J'ai aussi du noir, du jaune et du rouge, comme le drapeau belge. Puis voilà, donc ça a été fait au Japon, comme nos héros ont été, mais ça remonte au 15e ou 16e siècle. Puis voilà. Donc il y a certaines vidéos que vous verrez des traits de ça. Et quelques vidéos où que je vais faire dessiner l'église où que j'habite, quelques endroits où que j'habite. Et puis voilà, donc. Et je vais même essayer de dessiner le circuit de Spa-Francorchamps. Donc Formule 1 circuit qui a, je sais pas, 5-6 km de chez nous. Et puis voilà, donc moi qui ai déjà voyagé beaucoup. Que j'ai déjà vu des dessins dans des villes, des peintres comme ça dans le Nord-Pas-de-Calais quand j'allais en vacances chez mon papy et chez ma mamie, mais que là-bas c'était un camp de camping pour les vacances. Et puis voilà, donc bonsoir et puis voilà, à plus!